like move my head to your face. It's been a long and tiresome day. I've been waiting to come home and give you everything that I have. Salut, salut les copains. Nous nous trouvons actuellement à Tampico, précisément sur Playa Miramar, au niveau du golfe du Mexique. Alors, je pense que c'est une station balnéaire, cet endroit. Ouais, clairement. Mais bah là, clairement, c'est désert. C'est une sensation assez étrange, en fait. Il y a des complexes hôteliers tout le long de la plage. Il y a des trucs abandonnés. Alors, je sais pas, je me pose des questions. Est-ce que c'est l'après-Covid ? Est-ce que tout simplement en février il n'y a pas vraiment de saison et peut-être ça va repartir, je sais pas, pour l'été. Ouais. J'en sais trop rien. On se demande parce qu'il y a énormément de logements où c'est marqué à louer, tout est fermé. Mais on est quasiment les seuls étrangers sur la plage. Hein. Là on vient de se faire une bonne balade de 2 heures. On a mangé dans un petit restaurant. Il y avait les rabatteurs dans tous les restaurants. Voilà, on voit qu'ils manquent de clientèle et qu'ils veulent absolument avoir un minimum de clients, quoi. C'est à la rigueur ce qui nous fait peur. On a pris l'habitude de manger dans des endroits bien fréquentés. Ouais, des tout petits trucs, en fait. Et ça nous fait pas spécialement peur parce qu'en général, on les choisit quand même justement avec du monde. L'affluence, ouais. S'il y a des locaux, on voit que ça tourne pas mal. Ça veut dire que les produits sont quand même un minimum frais puisque il y a un roulement. Et là, on est au bord de la mer. Là, clairement, on ne sait pas. Tout le monde s'est fait avoir par la vague. Là, clairement, on est un peu plus craintif parce que c'est vrai qu'il n'y a pas cette affluence. Donc, on ne sait pas si les produits... Bon, on a pris des produits de la mer parce que forcément on est en bord de mer. On essaye de prendre des produits de la mer, donc on a pris du poisson et tout ça. Bon, on espère qu'il était frais, sinon on le saura rapidement. On le saura très rapidement, je pense. Mais on est quand même, nos estomacs sont quand même habitués maintenant depuis le temps qu'on voyage. Hein, oui, alors après, je pense effectivement qu'on est passé un petit cran au-dessus, ouais. Mais ouais, on a toujours on a toujours nos estomacs de touristes, des estomacs qui ont été qui ont eu aseptisés. Ouais, qui ont été aseptisés dès l'enfance, quoi. Ouais. Ben voilà, donc... Attends, on en a perdu un. On a perdu un. Donc, on était arrivé de nuit, vous l'avez vu dans la dernière vidéo. Donc, on n'avait pas vu le paysage et tout. Et puis, ce matin, c'était quand même assez sympathique d'ouvrir les portes de la tente et de découvrir cette vue sur la mer. Voilà, ça nous fait du bien. C'est pour ça qu'on est venu faire un petit crochet jusqu'à cette plage avant de repiquer vers les montagnes. Et ça fait toujours du bien. Alors, il y avait beaucoup de vent hier soir. Il y en a encore, mais il y en a moins encore, tout de même. Beaucoup moins quand même. C'était pas évident de se faire à manger hier soir. Sachant qu'on a un réchaud à essence, c'est la spécificité du réchaud à essence, c'est qu'il supporte bien le vent, ouais. Contrairement à un réchaud à gaz. Il ne s'éteint pas toutes les 2 minutes à cause d'un coup de vent. Il reste allumé. Malgré ce réchaud spécifique prévu pour le vent, hier, tu as mis 3 quarts d'heure à faire chauffer la soupe. C'est ça. Ça chauffait très doucement. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces cris ? The sky is blue, the sun is high. Sitting here on my own. I think of you. Voilà, alors on ne sait pas combien de temps on va rester. Est-ce qu'on reste aujourd'hui, demain, après-demain? C'est là toute la beauté du voyage, c'est de ne pas trop prévoir. Et puis on partira quand on en aura marre de ce vent, par exemple. Ah. Le vent, ça faisait pas partie des choses. À chaque fois qu'on imaginait des temps un petit peu difficiles avec notre setup, on imaginait toujours la pluie. Et pluie et vent éventuellement, mais beaucoup de vent, c'est pas très agréable non plus en réalité. C'est pas facile. Quand tout s'envole, à peine vous posez quelque chose, ça s'envole. Et c'est moins facile aussi. Ouais, ça fait partie des petites difficultés.
tout donné pour cette story. Un peu ridicule. Moi aussi, on les met, mais il n'y a pas de temps. Mais t'es pas chaud. C'est pas possible. Non, mais ça va, je déconne. Mais tu peux venir avec nous quand même. Alors, en fait, ici, on a le droit de se stationner gratuitement, mais on aurait d'autres possibilités. En fait, on pourrait tout à fait descendre ici, au niveau de cette étendue de sable. Et on pourrait même bénéficier de palapas. Donc si on voulait une grande palapa, faut la louer, c'est 300 pesos pour 24 heures, ce qui fait quand même 15 euros. Et si on veut une petite, c'est 130 pesos, ça fait 6,50 euros à peu près, pour 24 heures également. Donc bon, finalement, nous, on décide de rester là, c'est pas forcément plus mal. Ça nous permet de mieux gérer le sable au niveau des pieds pour rentrer dans le véhicule, etc. Mais en fait, voilà, il y aurait même ici plusieurs possibilités, donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, on s'était mis là parce que bah, quand on arrive la nuit, c'est toujours le côté le plus difficile. Là, en journée, il n'y a pas de problème, on voit que l'accès est là-bas, qu'on peut rouler jusqu'ici. La nuit, on voyait bien un accès là, mais on se disait, est-ce qu'on peut y aller? Est-ce que l'eau monte jusque-là? Est-ce que... C'est toujours plus compliqué. Donc là, si jamais ce soir on veut bouger, je pense qu'on ne paiera pas pour une palapa. Mais si par contre on veut se mettre comme cette voiture, par exemple, un petit peu plus reculée, sans profiter de palapa, bah là, en fait, c'est gratuit. Donc ce sera au choix. Mais je ne sais pas si finalement c'est mieux d'être vraiment dans le sable, parce qu'hier, il y avait beaucoup de vent. Et mine de rien, on a du sable partout dans les charnières, au niveau de la jonction de la tente, il y a du sable partout. Donc je pense que ce sera encore bien pire là-bas. Donc finalement, je sais pas, on verra. Vous voulez faire quoi, vous? Rester là ou bouger là-bas? Tu préfères ici, toi? Pourquoi? Hein? La 4? Non, là, c'est pour le au néoprène de maman, c'est la 4. Sinon, c'est la 11. Non, ma combi. Oui, ta combi, c'est la 4, pardon. Bon, et sinon, la 11, les bodyboards, alors. La 11, c'est la deuxième à gauche. Et sinon, la 4, elle est juste là. La cata juste à côté. Mais c'est pas ça, qu'est-ce que je fais? Alors, comment ça se passe, Doudou? Ben, on enlève cette barre anti-vol. Anti-vol et blocage pour rouler, hein, parce que s'il n'y avait pas ça, à chaque coup de frein, elle partirait. On tire un peu, donc on désenclenche de là-bas. On sort les petits taquets là. Impeccable. Et voilà. Parfait. Ça c'est la 2, mais c'est pas bon. C'est pas celle-là. Il y a quoi dans la 2? Aucune idée. La 11. C'est elle, c'est elle. Mon Dieu. C'est parti. Le jaune. Un bodyboard. Personne ne le sent au néoprène. Vous êtes en sûr? Deux bodyboards. Ce sont pas mes enfants. Lui, il avait une bonne pub. Hein. Trois bodyboards. Ah, pourtant, c'est sûr que si. Pas de nous, non, personne pour un haut néoprène alors. Non, non, c'est... Personne n'a mis son haut néoprène. Et moi, je suis en combinaison. De plongée. Manche longue. Non, c'est pas une combinaison de plongée. C'est une combinaison pour faire quoi? Du surf. Mais manche longue et jambes longues, quoi. On n'a plus de micro, alors forcément, hein, parce que là, j'arrive pas à l'accrocher dans les poils. Alors du coup, j'espère que le son sera pas mauvais.
Allez. Nouvelle belle journée ensoleillée aujourd'hui. On profite de la plage. Alors, on n'a pas le droit de se baigner aujourd'hui. C'est drapeau noir. C'est drapeau noir. Donc, les sauveteurs sont là et ils veillent bien à ce qu'on n'aille pas plus loin que les genoux. Hein. Alors, on l'a bien compris. De toute façon, on ne va pas les prendre de risques. Il y a apparemment des mauvais courants sur les marées. Donc, bon, on respecte. Donc, pas de baignade aujourd'hui. Du jeu dans le sable. Et les enfants se sont trouvés des nouveaux copains hein, depuis hier soir. Une famille de Québécois qui est arrivée par ici. Et une autre famille de Québécois qui est arrivée par ici. Vous savez ce qui est trop drôle, mais vraiment trop drôle, c'est qu'en fait, cette famille-là fait l'école à la maison et avec les enfants de Jérôme et Jacinthe. Donc voilà. Ils les connaissent très bien. Chez qui on était au sud de Québec, donc c'est marrant. Le monde est petit. Le monde c'est est marrant. Très petit. Et aujourd'hui, on ne s'est pas foulé pour la cuisine, c'est venu à nous. C'est venu à nous. Un petit monsieur qui est venu nous démarcher avec son panier, avec des empanadas, bien frais. Enfin, on espère. Toujours le truc, c'est bien frais. Tu imagines que c'est bien frais? Oui, ça a l'air frais quand même. On est en bord de mer déjà. On est en bord de mer. C'est un point positif pour des trucs à base de poissons, de crabes. Et Nous, il nous restait du concombre et des tomates. Donc, salade de tomates concombre. Et donc, pour accompagner ces empanadas. Donc, oui, Sana, elle n'en peut plus. Là, elle a tellement faim qu'elle a dit quand est-ce qu'on mange, quand est-ce qu'on mange. Donc voilà, des crabes panés. Là, c'est des crevettes avec quelque chose d'autre. Non, c'est du poisson pané. Non. Non. Non, c'est poisson. Celui-là, là, c'est poisson. Oui. Celui-là, c'est poisson. Celui-là, c'est crevettes. Et okay. Ça, c'est crabe. Et crabe, ben, voilà. Voilà, donc ce midi, on se foule pas trop, effectivement. Et on va manger ça. Ça va être très plaisant. Et une petite après-midi plage encore, certainement. Hein. J'en sais rien. Au final, c'est vrai que les enfants voulaient rester profiter. Mais pour se baigner surtout à la base. Mais là, comme la baignade est interdite, est-ce que vous voudriez quand même rester cet après-midi? Bon, a priori, les amis québécois restent encore une nuit supplémentaire. Alors, il y a quand même de fortes chances qu'on reste avec eux. Parce que, comme vous pouvez l'imaginer, on se raconte nos histoires de voyageurs. On fait connaissance et c'est toujours très plaisant de rencontrer du monde et d'échanger nos propres expériences. Donc, on passe du bon temps. Voilà. Alors, on continue. Bon, c'est bientôt prêt cette salade, madame ? Vite, je pars. Mais arrêtez de picorer dedans, il ne va plus rien y avoir pour nous. Une baguette plus rapide. Et voilà, c'est l'heure du départ des amis québécois. Bonne route !
Ils s'en vont vers le sud, nous on s'en va vers l'ouest. Vai. Et nous on va faire pareil. On remballe. Et bah oui. Et on se met en route. Et bah il y en a beaucoup qui nous ont demandé sur notre départ du bivouac de Victoria combien de temps on mettait à tout replier. Bon alors là on a quand même beaucoup moins de choses de sortie, forcément c'est moins installé hein, sur 2-3 jours de bivouac. Mais bah ce serait intéressant tiens, de mettre le trépied, un chrono en route et puis de dire en combien de temps on est prêt. Donc on va peut-être faire ça. Bah du coup il y a les tentes, replacer les couvertures, replier les tentes. Ranger la cuisine, les chaises. Relever la roue jockey de la remorque, vérifier tout avant de partir et puis. Eh ben allez, c'est parti. Voilà, on va faire ça. Bon bah allez, c'est parti. On met en place le chrono. Je sais pas si on le voit bien. Allez. Vous êtes prêts ? Prêt. 3, prêt. 2, 1, go ! On voit bien. Est-ce que tu peux regarder? On voit rien du tout. On voit rien. Je rapproche. Ah si, il faut que j'enlève mes lunettes en fait. 12 minutes 54 94 centièmes. Bon, on va dire 13 minutes. 13 minutes pour tout remballer. On est prêt à mettre en route. Donc bah c'est parti. On y va. Prochain bivouac. Direction les montagnes et l'ouest. Allez. En voiture. C'est reparti. Et alors là, il y a une couche d'eau salée sur le pare-brise. On voit qu'on est en bord de mer. Hein. Allez, on file vers les montagnes. C'est parti. On n'oublie pas Chouchou, hein. Elle est là. Elle veut filmer notre départ. On s'est arrêté à la grande ville qui était juste à côté pour faire des grosses courses à la Chebet là. Voilà, parce que bah, on s'en va dans un endroit un petit peu plus reculé. Alors on a fait des grosses courses, tout le monde est prêt, presque à repartir. Alison et Nathéo sont allés faire un dernier petit pipi. Et puis on va pouvoir prendre la route, il y a quand même 3h30, 4h de route, donc on va pas traîner. Thank you.
trois coups quand même. Hein. Ouais, mais dès qu'on passe la 4, c'est... Il y va là, il y va. Tranquillement. Tout ça pour ça, maintenant on descend. J'ai dit tout ça pour ça, maintenant on descend. C'est hyper joli. Mais on roule plein ouest alors, forcément, le soleil. Parce que sinon, toute la route, elle était belle. Oui, très jolie. Enfin, elle est payante. Hein. Ouais. Je me souviens aussi, on était passé au-dessus, non? En repartant, je pense. Parce qu'il y avait une route là au-dessus. On avait pris des autostoppeurs hein, pour remonter de Tabasco à Tabasco. Oh, ils puaient. Oh, ils sentaient trop mauvais. Vous vous souvenez vraiment de cette histoire des autostoppeurs là, qu'on avait pris, vous vous souvenez, qui sentaient mauvais? On se souvient comme si c'était hier. Nathéo, toi aussi? Ah ouais, donc ça a marqué tout le monde cette histoire. Un bon test pour le frein à moteur. Bah, je pense qu'il va bien par contre le frein moteur, non? Et le frein de la remorque aussi en fait. Voici donc arrivé à destination. Ça c'est cool. On vous présentera ce lieu qu'on connaît déjà, qu'on aime beaucoup, bah, dans la prochaine vidéo, parce que ce sera mieux avec les belles couleurs de cette eau vraiment bleu turquoise et puis toutes ces petites cascades. Et pour ça on va avoir besoin d'un beau rayon de soleil pour vous montrer ça. Donc dans la prochaine vidéo. Et puis on vous racontera aussi une histoire qui a marqué notre premier voyage quand même ici. Hein. On vous a déjà évoqué ça quand on vous a établi notre itinéraire hein, et comment on planifiait notre itinéraire. Bah, on vous montrera exactement où ça s'est passé, comment ça s'est passé, voilà. Etc. Donc retour ici avec plein d'émotions.
Sur ce, on vous souhaite une bonne fin de semaine. Et puis, ben, passez un bon réveillon. Ouais, un bon réveillon de Noël. Et ben, on vous retrouve le jour de Noël, pour ceux qui auront le temps de regarder ça le jour de Noël. Et, enfin, je vais dire théoriquement, parce que théoriquement. Là, on n'a pas du tout de réseau. Non. Mais pas du tout. Alors, on espère pouvoir vous publier cette vidéo à temps, sinon ben, elle aura certainement un ou deux jours de retard. Et puis, on vous dit à très vite, en tout cas, les copains. À très vite, les copains, et passez de bonnes fêtes de fin d'année. Bye bye.